Avec l'aide de mon pote Ludovic Hubler de l'association Travel with a Mission et mon pote vidéaste Loris Monteux, on a réussi à monter et faire financer un projet humanitaire en Afrique entre le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Mais j'ai un problème. J'aimerais t'impliquer dans ce projet, mais je ne sais pas comment faire sachant qu'il est déjà financé. Je t'explique. Le but de cette mission est avant tout d'aider des gens qui en ont énormément besoin. Mais c'est aussi de réaliser un court-métrage pour donner aux gens l'envie de monter leur propre projet et de reproduire ce type d'initiative, que ce soit en Afrique, en France, dans leur ville ou dans leur immeuble. Et pour ça, on va montrer toutes les étapes de la réalisation de ce type de projet en montrant les difficultés, mais aussi les moments de joie, pour finalement montrer et prouver que c'est à la portée de tous si on s'en donne les moyens. Jérôme Jarre lève des millions de dollars, mais ce qu'il faut retenir, c'est que chacun peut faire quelque chose et apporter son aide à son échelle. L'important, c'est d'agir. On prépare ce projet depuis déjà des mois, mais je voulais pas monter un projet qui repose sur la générosité des gens. Je pense que vous êtes déjà largement assez sollicités comme ça. Alors je suis allé démarcher les entreprises pour qu'ils financent le projet, et Chapka Assurance nous a fait confiance et a accepté de soutenir le projet. Et je leur en remercie du fond du cœur. KLM nous a pris en charge les billets d'avion et je les remercie également énormément. Donc grâce à eux, le projet est maintenant réalisable et il va avoir lieu fin mars, début avril prochain, cette année en 2018. On va pouvoir fournir en matériel scolaire et médical plusieurs lieux qui n'ont rien ou presque dans ces trois pays-là. On va aussi réhabiliter un lieu pour les femmes en difficulté et un autre pour la réinsertion des enfants. Et il y aura également une partie formation avec le partage de connaissances sur place. Mais le problème, c'est que une fois la vidéo réalisée, pour diffuser ses valeurs et donner aux gens l'envie de reproduire ce type d'initiative, la vidéo, il faudrait qu'elle soit partagée le plus possible. Et c'est là où j'ai une question qui me torture l'esprit, c'est comment impliquer des gens dans un projet humanitaire ou social sans leur demander de l'argent. Donc je te pose la question, internaute, toi, si tu as envie de participer et de t'impliquer dans ce projet, de quelle façon tu aimerais que ce soit? Est-ce que ce serait tout simplement t'inscrire à une newsletter pour être tenu informé de l'avancée du projet et pouvoir la partager au moment où elle est publiée? Est-ce que c'est finalement faire peut-être des dons matériels qu'on pourrait amener là-bas? Est-ce que c'est faire des dons supplémentaires pour pouvoir aider peut-être d'autres villes ou avoir des fonds pour reproduire ce genre de projet à un autre endroit prochainement? Voilà, j'ai pas vraiment de réponse à cette question et je me suis dit que la meilleure façon d'y répondre, c'était de te la poser directement. Donc merci internaute pour ton aide. Donne-moi toutes tes idées et toutes tes envies, mets-les en commentaire et ça me sera vraiment d'une grande aide. Merci beaucoup, j'attends avec impatience tes idées.